s'attendait pas aussi rapide sur le début. L'échappée a fait long à partir avec plus de 50 km avant qu'elle se dessine. Et puis ensuite, ça s'est passé très vite sur la descente sur règle. Et ensuite, on est vite arrivé au pied du col de la Forcla où déjà le train a été très élevé. Au sommet du col de la Forcla, on était déjà plus beaucoup. Puis ensuite, Sky a fait un rythme, comme ils ont l'habitude, très soutenu dès le pied des Mossons. Et puis j'ai essayé pour ma part de tenir le plus longtemps et surtout de gérer ma montée pour pas non plus me mettre trop vite dans le rouge. C'était le plan du jour, hein, de mettre un coureur à l'avant. Et puis c'était chose réussite. Donc pour nous, je pense que c'était une très bonne journée. À titre personnel, vous restez avec le groupe des favoris jusqu'à 4 km de l'arrivée, satisfait? Oui, voilà. Pour moi, c'était l'objectif, hein, tenir le plus longtemps possible. Et puis, c'est vrai que le niveau ici des grimpeurs est très très élevé, beaucoup plus élevé que j'ai l'habitude d'avoir sur les autres courses du World Tour. Donc, je pense que je suis vraiment à ma place. Et puis, ma condition, elle est vraiment bonne. J'ai vraiment de très bonnes jambes sur cette troisième semaine. À titre de comparaison, il y avait eu presque le même parcours en 2014 au Critérium. Vous avez vu une différence avec ce Tour de France, la plus grande course cycliste du monde? Oui, bien sûr. La grande différence déjà, c'est qu'au pied de Finhaut et Mossons, on était déjà plus qu'une petite quinzaine de coureurs, alors que quand on avait fait le Dauphiné, on était encore beaucoup plus, peut-être 40-50 coureurs. Donc déjà, ça prouve que le col de la Forcla est monté à un rythme déjà très élevé et puis que les coureurs arrivent de plus en plus fatigués. Traverser votre place centrale de Martigny, voir tous vos supporters au bord de la route, col de la Forcla. Comment vous avez vécu cette étape émotionnellement? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, ça nous permet d'oublier un peu la douleur et puis c'est vrai que ça nous porte jusqu'au sommet. C'est une étape pour moi qui est passée très très rapidement. J'ai pas vu défiler les kilomètres parce que vraiment j'en ai pris plein les yeux. J'ai vu beaucoup de panneaux, beaucoup de gens que je connaissais sur le bord de la route, donc c'était vraiment pour moi une journée géniale. Fin de cette 17e étape, il reste quelques jours avant Paris. Vous conservez votre 14e place au général. L'objectif, c'est toujours un top 15. Vous espérez mieux? Non, franchement, je ne me fixe pas d'objectif. Hein, comme je dis, là, je préfère en prendre au jour le jour. Il y a encore trois gros jours vraiment pour le classement général. Il faut rester concentré et puis je ferai les comptes sur les Champs-Élysées.